Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui on va voir le portrait al-wasf, la description al-wasf, l'aspect al-madhar. Portrait physique, portrait vestimentaire, portrait moral, de manière valorisante. Donc on a trois portraits. Portrait physique, jasadi, wasf jasadi. Portrait moral, wasf akhlaqi, aspect moral, description morale. Troisième description vestimentaire, portrait vestimentaire, aspect vestimentaire. Dans cette vidéo, on va voir le portrait physique, moral, valorisant. Le portrait physique et moral, valorisant. Al-wasf, al-jasadi, al-akhlaqi, al-ijabi. Portrait, wasf, physique, jasadi, a'da al-jasad. Moral, akhlaq et les qualités al-fada'il, valorisant, positif ou bien favorable. Ou bien favorable. On a un texte, on va lire le texte. On a quand on se voit de l'bint, fal-hadir, fal-présent. Un peu plus de l'talamid de l'i'dadi, ou première année le collège, troisième année le collège, le lycée, on va dire qu'il y a un peu plus de fal-compte, fal-hikaya. حكاية كنديرو لام بارفي في القصة القصيرة كنديرو لام بارفي في الرومان كنديرو لام بارفي جو كومونس إل سابيل ماروا إل أ 14 أون إل إليف دو كوليج إل دو تاي موين إل مزور 1m50 إل إي كيلكوز أني إل إتي غروس مي إل أ بيردو 5 كيلو إل في دو سبور إل براتيك لو كاراتي تو لي فيرب أو بريزون جميع الأفعال في الحاضر جو ريبيت إل سابيل ماروا Elle a 14 ans et elle est élève du collège. Elle est de taille moyenne. Elle mesure 1m50. Il y a quelques années, elle était grosse, mais elle a perdu 5 kilos. Elle fait du sport, elle pratique le karaté. Maintenant, on va voir la traduction en arabe. La traduction en arabe. Ismouha Marwa, tablogu min al-umr 14 sana. Tadrus bil i'dad wa al-aqama mutawassita. يبلغ طولها متر وخمسون سنتيمترا قبل عدة سنوات كانت ضخمة سمينة غثة ولكن خسرت 5 كيلوغرامات تمارس الرياضة والكاراتيه دونك كاراتيه فول كونتاكت بوكس تايكواندو كيتسموا فنون الحرب لي زار مارسيو لي زار مارسيو لي سبور دو كومبا لي سبور دو maintenant on va voir la suite maintenant Elle pèse 53 kg. Elle est mince. Son visage est rond. Elle a les cheveux blonds et lisses. Ses yeux sont bleus. Elle a un petit nez marois et souriante et en pleine forme. Maintenant, elle pèse 53 kg. Elle est mince. Son visage est rond. Elle a les cheveux blonds et lisses. Ses yeux sont bleus. Elle a un petit née marois et souriante et pleine et en pleine forme. On a vu le physique, l'akhlaq d'elle, le jasad ou l'akhlaq d'elle. تزن حاليا مروى 40 كيلوغرام. هي نحيفة ولها وجه دائري. لها شعر أشقر وناعم. عيناها زرقاوتان وأنفها صغير. دائما مبتسمة وصحتها جيدة. يعني كنت كلموا عليها بطريقة إيجابية. أخلاقيا جسديا. أخلاقيا moralement جسديا physiquement. Donc c'est une description positive, favorable, valorisante. Après ça, prima. Valorisante. Maintenant, lorsqu'on demande aux élèves du collège première année, ou bien troisième année, ou bien lycée, de décrire un personnage. Il y a une riwaya, ou une qissa qasira, ou une hikaya. Hikaya, qissa ajiba. Ma kinsh karate diksa'a, ma kinsh la madrasa diksa'a. Yani on va conjuguer tous les verbes à l'imparfait. Donc, exemple. Elle s'appelait Marwa. كانت سميتها مروة. كانت تسمى. Elle avait 14 ans. كان عندها 14 عام في الماضي. Et elle était une fille de berger. كانت بنت واحد الراعي. Elle était de taille moyenne. كانت عندها قامة moyenne. Elle mesurait 1m50. كان طولها. ديما كل شيء في الماضي. كان. Il y a quelques années, elle était grosse. كانت سمينة. Mais elle avait perdu 5 kilos. ولكن خسرت 5 kilos في الماضي. Elle faisait le ménage. Quand elle dit le ménage, dès que ça le ménage, elle marche bien, maintenant. Elle sortait tous les dimanches à la forêt. Au col, head quand elle marche, la forêt. L'imparfait répétitif, tikrar. L'imparfait descriptif. Répétitif, descriptif.
Donc, ila huna kintahi al-video dialna. J'espère que vous avez saisi le cours, la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir et à la prochaine fois.